Rentrez. soyez vous Alors, pour quel problème venez-vous me voir Ben, en fait, madame, mmh. j'ai un problème de fluidité. De fluidité mmh, mmh. Et vous avez une idée de la raison qui provoque tout ça Bah ben ouais, c'est à cause de le goût des lames. À force de regarder sa chaîne, mon couteau, il n'a plus de fluidité ici c'est relou. Je fais tout ça comme il dit tout le temps. Quand il dit il faut ouvrir son couteau et fermer son couteau, mmh. Mmh. ça m'énerve. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire aussi vite que lui. Mmh. Et ça vous donne des mmh. Mmh. Mais j'ai trop les boules, docteur. Mmh. Pourtant je fais tout bien comme il m'explique, hein. Mais j'y arrive pas, docteur. J'y arrive pas. Ça m'énerve. Quand il dit, il faut être fluide, wesh. Euh, wesh, j'essaie de faire comme ça. J'essaie d'être fluide. Mais j'y arrive pas, wesh. Je comprends pas. Je crois qu'il se fout de ma gueule. Mm -hmm. Donc, vous pensez que le modèle, ça va de vous? Ouais, je suis sûr qu'il a fait exprès. Ah il m'aime bon. pas. Il dit toujours, il faut être fluide. Il faut être fluide. Je sais même pas si ça veut dire être fluide. on dire, moi non plus, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, oh, qu'est-ce que je fous là? Merde. Est-ce que vous avez essayé d'arrêter de regarder sa chaîne pour voir Eh ben oui, hein, j'ai essayé, hein, mais je m'enlève la nuit pour aller regarder parce que sinon je fais des cauchemars, j'ai l'impression de devenir complètement fou. Il faut arrêter de regarder cette chaîne de merde, c'est comme un poison, c'est comme une drogue. Il faut ah, arrêter. Mais vous croyez que j'ai fait quoi c'est ce que j'essaye de faire tout le temps, j'essaye de regarder les autres chaînes, mais c'est que de la merde. Euh, c'est bon, je me casse quoi. Vous pouvez pas m'aider, de toute façon, je sais même pas ce que je fous là. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Père Noël, la chaîne 100% pure beauf. Aujourd'hui, je vais vous présenter un couteau euh, bah, chinois encore. Et pliant oui encore mais par contre bien moins cher je sais je vous dispense de vos réflexions mais quand je dis moins cher c'est vraiment moins cher hein ah, j'en vois qui commence à quitter la salle donc voici le why start 5021 alors avant de vous présenter ce couteau je tiens à dire qu'à l'heure où je fais cette vidéo son prix est de 17 euros et comme sur AliExpress, les prix changent en permanence et que comme ce sont encore des putains d'algorithmes à la con qui gèrent ce site, il est possible que vous le trouviez plus cher ou moins cher quand vous irez voir. Donc ne venez pas me le reprocher, je n'y suis pour rien. Je préfère prendre les devants parce que certains pourraient penser que c'est moi qui fixe les prix. Oh. Si si, rigolez pas, c'est déjà arrivé. Hein. Bon, avant de vous donner ces spécifications, je vais virer les petites boules qui vont pas tarder à m'emmerder. Voilà. Hop. J'agite un peu celle-ci. Alors. Ce couteau fait une longueur fermée de 12 cm3. Longueur ouverte de 21 cm8. Il a une longueur de lame de 9 cm5. Longueur de tranchant 9 cm5 également. Épaisseur de lame 3 mm5. Épaisseur du manche 14 mm7. Système d'ouverture à flipper. Ta flipper. Blocage de lame liner lock, roulement à billes, Et à ce prix-là, je pense que c'est de l'acier, plaquette en G10 texturé, lame de forme harpon en acier 440C. Ah, alors là, je vois que les derniers qui étaient restés sont en train de quitter la salle. Ouais, tout le monde se barre. Et puis, un poids très raisonnable de 122 grammes. Hey, attendez-moi J'ai l'impression qu'on va rester entre nous. Eh oui. Alors en général, je suis pas un grand fan des lignes des couteaux à flipper. Ta gueule, ok. Qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, parce que je trouve qu'ils ont tendance à tous se ressembler. Et puis, euh, bon, ils sont tous bien pompés quand même sur les, les zéro tolérances ou les shows, hein. Mais euh, ce qui m'a tout de suite plu dans celui-ci, c'est la simplicité euh, de ses formes et puis euh, sa forme assez équilibrée, quoi. Je trouve, voilà. Euh, sans extravagance, mais avec du caractère, et puis j'adore sa lame de type harpon. Je trouve ça très sympa. Alors, comme j'ai dit, ce couteau tourne autour des 20 euros, 17 au moment où je fais la vidéo. Et quand on l'examine sous toutes les coutures, on voit bien que ses finitions sont, et son assemblage sont nickel, C'est simple, mais c'est sans fausse note. C'est ce que j'aime dans cette marque, c'est qu'ils peuvent sortir des couteaux à 20 balles, avec une silhouette qui ne copie sur personne, pour une fois. <laughs> Malheureusement, c'est pas le cas de tous leurs modèles parce que j'ai vu, j'ai vu récemment sur leur site qu'ils ont pas mal de copies de marques américaines et ça, ça me dérange carrément. Il y a quelques années, quand je les avais découverts, ils faisaient pas ce genre de copies. Sa prise en main est excellente. J'irais même dire que ça me réconcilie avec les couteaux à flipper. Chut! Qu'en général, je trouvais, euh, je trouve souvent trop court pour mes mains. Vous avez du jimping, non je ne veux pas vous la refaire, hein. sur le dos de la lame. Plutôt bien placé, pas agressif pour le pouce. Les plaquettes en G10 sont texturées d'une façon très sympa. C'est plus, euh, oui, plus du relief que du texturage. On a sur ce modèle un clip non réversible. Bon apparemment il n'y a pas de gaucher chez White Start. Hein. Mais de type deep carry, c'est à dire en français invisible dans la fouille que je trouve plutôt bien fait, pas trop ferme, pas trop souple, et qu'on sent pas trop dans la main quand on serre bien le manche. Quoi. Il y a à l'arrière du manche un passant pour dragon en métal noir assez sympa qui sert également d'entretoise, probablement de l'aluminium, c'est bien foutu, plutôt esthétique, euh, franchement j'aime bien. Sa lame est parfaitement centrée. Alors là, regardez ça. C'est pas possible de faire, de faire mieux, quoi, vraiment. Il euh, y a aucun jeu, mais vraiment aucun jeu, ni haut, ni bas, rien. Son ouverture est très facile, avec un petit claquement bien valorisant, qui va plaire à beaucoup, je le sens. Et son mécanisme extrêmement fluide. Fluide Tout le monde dit des fluides, mais je sais pas c'est quoi, wesh. Ah, ok. Bon alors pour les néophytes, je vais expliquer ce qu'est la fluidité. La fluidité, c'est un des termes les plus utilisés que vous entendrez certainement beaucoup sur les différentes chaînes de couteaux. Je dis les différentes chaînes parce qu'au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un an, des chaînes qui parlent de couteaux, ça pousse de tous les côtés. Hein. C'est simple maintenant, quand vous mettez un coup de pompe dans un arbre, il en tombe 20. Entre celles qui racontent n'importe quoi en donnant des leçons de bushcraft et de survie, celles qui se contentent de montrer des couteaux que tout le monde a déjà vu dix fois sur les autres chaînes, celles qui ne pensent qu'à compter leurs abonnés en réclamant des cadeaux ou des avantages, et celles qui avec à peine cinq vidéos en ligne commencent déjà à chercher des financements sur Tipeee, Patreon ou Paypal. Vous en avez pour tous les goûts. Hein. Et encore, je parle pas des chaînes purement commerciales dont le seul but c'est de vous vendre des couteaux. Bref, maintenant tout le monde a sa chaîne YouTube et tout le monde parle de fluidité. Alors qu'est-ce que c'est que la fluidité alors, première chose à savoir, la fluidité concerne principalement les couteaux pliants. Lol. En fait, la fluidité, c'est la facilité avec laquelle vous allez ouvrir et fermer votre couteau sans à coup et de la façon la plus rapide. Ça permet de faire claquer répétitivement son couteau à l'ouverture et à la fermeture, ce qui est très impressionnant pour ceux qui regardent et très valorisant pour la virilité, paraît-il. Certains psychologues prétendent même que cette façon de vouloir ouvrir rapidement son couteau traduirait un désir inconscient d'avoir des érections fulgurantes et répétitives. Bon, on pourrait aussi dire que refermer rapidement son couteau peut désigner le problème inverse. Hein. LOL oh. Donc, si vous avez des problèmes de fluidité, il est recommandé d'aller consulter. Ah, okay. Je sens que je me suis fait plein de nouveaux amis, youpi ah, clair. <laughs> Mais concrètement la fluidité est-elle bien utile Est-ce qu'un couteau fluide coupe mieux qu'un autre Est-ce que ça le rend plus efficace quand vous allez ouvrir des cartons, couper du saucisson euh, Désolé, j'avais plus de saucisson. Couper de la ficelle, couper de la chambre à air, parce qu'on coupe tous les jours de la chambre à air, c'est bien connu. Ou vous coupez les doigts Parce que je vous rassure, c'est à ça que servent en général les couteaux que tout le monde a dans la poche, hein moi y compris. Hein Donc, est-ce qu'un couteau fluide sera plus efficace qu'un couteau pas fluide. La fluidité, c'est un peu le saint Graal, quoi. Si t'as pas le couteau fluide, t'as raté ta vie. Bon, j'espère que tout le monde aura compris que je rigole, hein. Ouais, ben, bah, pas sûr. Ouais, moi non plus. Alors, fluide or not fluide That is the question. Quelques exemples. Ça, c'est du fluide. Ça, c'est pas fluide. Ça, c'est fluide. Fluide, ça pas fluide. Fluide, pas fluide. Fluide, pas fluide. Bref, vous avez compris, non Au passage, je vous fais quelques petites comparaisons de taille. Alors, on va commencer par le Boker Kion, qui est un couteau automatique de chez Boker, hein, comme je viens de le dire. Le Benchmed Bug Out. Le Spyderco, Para 3. Nettement plus court. Hein. Le Ontario Rat 1. Alors là, on aurait tendance à jouer dans la même cour. Et pour finir, un vieil Opinel numéro 10. Voilà, très vieil Opinel. Donc en conclusion, ce vingt start 5021, je le trouve très sympa. Il pourra faire un excellent EDC, solide et fiable. Bon, son acier, c'est du 440C, hein, c'est pas à se taper le cul par terre. Mais c'est un acier qu'on utilise depuis des années et qui, très honnêtement, fait très bien son boulot pour les tâches classiques qu'on lui demande, surtout pour 20 balles. De plus, il a une prise en main et une lame euh, qui a une forme qui pourront plaire à certains amateurs de couteaux de défense. Sans être trop agressif. Personnellement, moi j'aime beaucoup sa forme et ses dimensions. C'est la bonne taille pour moi, même si j'ai jamais été un grand amateur de flipper. Ah, bah il est parti! Ouais, il s'est cassé! Ah bon? C'est un bon couteau à offrir à une jeune fille qui aime les objets virils, à votre grand-père qui commence à avoir du mal à trouver la fente de son canif, ou à vos potes qui ont l'habitude de vous emprunter le vôtre, ce qui personnellement m'énerve grave. De toute façon, je trouve que c'est toujours une bonne idée de cadeau d'offrir un couteau. À ce prix-là, pourquoi se priver? Hein moi, je trouve que c'est plutôt un couteau réussi. Franchement, euh, bon, j'en vois beaucoup qui me laissent plutôt indifférent. Franchement, et celui-ci, euh, quand je l'ai vu, je l'ai vu, euh, je l'avais repéré sur Instagram. Euh, il m'a tout de suite tapé dans l'œil parce que je trouve qu'il a une forme, bon, euh, voilà, très actuelle, très originale, mais pas euh, pas too much. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même sobre parce que j'aime bien les couteaux qui ont des lignes sobres, j'aime pas les couteaux avec des, avec des formes trop torturées comme comme certains Kershaw, ou comme comme certains couteaux chinois d'ailleurs, de, des marques qui ont émergé depuis peu de temps. J'aime bien les formes qui sont un petit peu simples mais avec euh, une, des petites pointes euh, des petites pointes de personnalité. Voilà, c'est ça. Donc celui-ci, je trouvais qu'il avait quand même une forme assez simple mais avec une personnalité. C'est sans doute cette encoche dans la lame qui fait ça, mais bon. Je trouve que c'est un beau couteau. Le G10 est vachement bien fait. La visserie, pour une fois, bah, c'est de la visserie normale, c'est du Torx. Et puis, bah, voilà, je trouve que c'est un couteau sympa. Construction solide, simple, et surtout très grande fluidité, quoi. Au passage, si vous avez envie de commander sur AliExpress, Faites gaffe au délit de livraison, ça prend en général plusieurs semaines. Moi je sais que l'année dernière je me suis fait avoir, euh, j'ai voulu acheter plusieurs couteaux, j'ai commandé plusieurs couteaux pour offrir, ils sont arrivés deux mois après. Donc du coup mon Noël, je me suis retrouvé un petit peu comme un con. Donc euh, cette année je vais prendre mes précautions, j'ai pris mes précautions, j'ai commandé suffisamment tôt. Maintenant si par exemple ces modèles, les modèles que je vous ai présentés vous intéressent, si vous les commandez en début de mois de décembre, a priori, vous devriez les avoir, peut-être pas dans 15 jours mais au moins dans 3 semaines maintenant, c'est toujours un risque à prendre, de toute façon avec AliExpress ils ne font pas payer les frais de port mais ça prend toujours un petit peu de temps parce que ça prend des chemins un petit peu différents ça passe par différents pays enfin je ne sais pas comment ils font mais bref, ils utilisent le système de courrier classique voilà J'en ai fini, j'espère que ce couteau vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est intéressant d'avoir une vision panoramique des différents goûts, sachant que ce couteau existe en plusieurs couleurs, je crois qu'il existe en noir et blanc ou en gris ou en tan, enfin des couleurs assez classiques. Prochainement euh, une autre vidéo, non pas avec un mais deux couteaux, et puis quelques surprises qui viendront à suivre, je les attends. Merci d'avoir regardé. Mettez-moi un petit pouce ou une claque sur les fesses, hein, ça ira. Abonnez-vous, partagez, commentez et restez affûtés. Ciao, ciao, bye bye.